Aujourd'hui, je suis très content parce qu'on va faire une activité hip-hop. On va rencontrer Antoine de The Backpackers, qui suit l'activité du hip-hop autant aux États-Unis qu'en France. Le but, c'est de créer un petit son, donc soit un beat, soit un rap. Antoine et Julien de Backpackers. On est dans le studio Greenstone Records qui est situé à Belleville, rue Ramponneau. N'hésitez pas à venir en tout cas, c'est là où ça va se passer, c'est là où on fait des bonnes choses. Ok, boum, tchac. Boom, jack, voilà, boom, jack, boom, jack, 4, jack, boom, jack, c'est boom, jack, boom, jack, 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 boom, jack. Donc lui, il doit faire ça. Et 1, 2, 3, 4, et 1, 2. Donc ça c'est bon. Mais qu'ils aient des sons comme ça, un peu plus ronds, un peu plus gros. Genre 1, 2, 3, 4. Donc. Qu'est-ce qu'on peut s'écrire? Hôtel, lunettes, Paris, train, mesure, tadam, panique. Un soir d'été, alors dans les années 90, soir d'été, perdu dans les rails. On va raconter une soirée où on commence à regarder la télé. Et après, il y a que les mecs vont, ils partent en fait, décident de faire un truc. Et ils vivent un. Enfin, ok. Donc comme là, les années 90, t'étais devant la télé, tu regardais des trucs, t'étais la rage dans les 90, c'est ça? Devant la télé, on mangeait. Attends, on mangeait des Smarties. Voilà. Ok, donc, yeah, un soir d'été perdu dans les 90s, dans la télé on mangeait des Smarties. Yeah, un soir d'été perdu dans les 90s, dans la télé la bouche pleine de Smarties. Club Dorothée, des ailes pour me mettre à l'aise. Comme Sangoku et Vegeta, je rêvais d'être bien balèze. Toujours l'esprit hanté par cette foutue princesse à sauver. Impossible de bouger, tu vis et posé sur le canapé. La sincère de Blair Witch, phénomène, idéal féminin. Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut en mettre à demain? Spectacle qui est Black Barbu et qui est Chien Sale pour Backpackers en balle, on présente. Raconte-nous un peu ton premier souvenir hip-hop. Mon premier souvenir hip-hop, c'était en 90, je crois, ou 89. C'était en fait, j'étais parti dans une salle, je me rappelle plus, c'était le Globo ou je sais pas où. Et c'était en fait une représentation de DJ, en fait. Et il y avait tout le rap français qui était là, tout le hip-hop français qui était là, rappeur, DJ, danseur, rappeur, tout ça. Et en fait, j'étais surpris parce qu'il y avait une compétition de DJ et à la finale de ce battle, les DJ sont mis à mixer, il y en a un qui a cassé le disque en deux. Il s'est mis à mixer, l'autre, celui qui était en face, il a recoupé le truc en deux, ça faisait quand même un petit fromage, ouais. Il a mixé dessus, l'autre il a repris son cube, son petit triangle, il a foutu une poudre dessus, il a mixé, ça a foutu le feu à la platine. J'ai pété les plombs. Ouais. J'ai complètement pété les plombs sur le truc et c'était mon DJ Eddie Kent qui faisait partie des New Generation MC à l'époque. Okay. C'était de l'ancienne époque, il était Little MC, tout ça, mouvement authentique, tout ça. Donc c'est lui, il m'a fait quitter ça et puis c'est là que je suis rentré dans l'époque. Mais c'était pas là où je suis rentré dans le rap. Parce que moi je suis un très jeune rappeur, je suis pas un ancien rappeur. Je me suis mis à rapper un an avant de rentrer dans l'ancienne scène. Je rappais pas avant. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à écrire? Bah en fait c'était j'étais dans un studio avec mon ami, mon pote avec sa petite Ken qui est aujourd'hui mon DJ. Et on était dans un studio et puis il manquait un refrain à poser, et puis moi je l'ai posé, il m'a dit de le poser, je rigolais, je pensais prendre ça à la rigolade à la base. Donc il a écouté, il a kiffé, et il m'a dit vas-y pourquoi tu peux pas rapper et tout. J'ai fait non ça m'intéresse pas trop et tout. Et puis du coup j'ai commencé un peu. Mais après j'ai relâché parce que ça me parlait pas trop. Et après je suis un mec qui a beaucoup de conneries dans la vie, donc j'ai eu plein de problèmes avec la vie, on va dire, la justice, tout ça. Et quand j'ai arrêté mes conneries, je me suis mis à rapper comme petit frère Mad Dog. Peut-être pour restituer le truc, j'écoute vraiment du rap depuis que j'ai 4 ans, depuis le premier album de NTM. Ouais. Et c'est vrai que mes parents m'ont toujours baigné là-dedans, donc ils m'ont toujours fait écouter NTM, IAM, enfin toute l'époque. Ouais.
Arsenic et tout ça, les groupes de l'époque. Et c'est vrai que je me souviendrai toute ma vie, quand j'ai découvert le Silent Supacru, c'est vraiment un des moments marquants de ma vie de mec qui aime le rap en fait. J'étais devant Canal+, et par ailleurs. Ouais, et ils ont fait un reportage sur vous. Personne de la maison 10 croyait en nous. Et du coup, il nous a signé. On a fait 2-3 trucs, ça a marché un petit peu. Après, ça s'est un peu redescendu. On a fait l'album, parce qu'on a fait 2 maxi avant l'album. Et on avait déjà fait sur l'album, il y avait Angela, il y avait tout ça. Et personne nous calculait. Il faut savoir que personne ne voulait nous écouter, parce qu'on passait pas en radio. Il faut savoir que Laurent Bouno nous a dit à l'époque, parce que je le dis toujours en interview, parce que c'est important. Laurent Bouno, comme plein d'autres radios, nous disait comme quoi vous passerez jamais sur notre radio, vous êtes un groupe de clowns. Parce qu'à l'époque, on est sorti, c'est un petit peu un coup, c'était 113, Mafia Quintet, c'était tout ça. Vous aviez en fait, parce qu'il y a beaucoup maintenant de rappeurs qui se font connaître aussi par YouTube, et vous avez eu un peu le même phénomène, mais sans passer par le net, quoi. C'est-à-dire que moi, je me souviens, vous êtes apparu tout d'un coup dans mon environnement musical, mais vraiment du jour au lendemain, quoi. Du jour au lendemain, il y avait ça, une super crew, et puis c'était pour moi un des meilleurs groupes. Je peux comprendre, hein, parce que nous-mêmes, on ne savait pas, parce que quand on a. C'est fait, ça qui est fou, quoi, de quand on a signé. Histoire, et quand on est passé au but de la musique, pendant le but de la musique, nous on était en Allemagne. On avait fait une grande tournée en Allemagne. Et quand on est revenu d'Allemagne, on a tous été surpris parce que dès l'aéroport, il y avait plein de gens avec des pancartes. Ça y est, c'est pas cool, ça y est, c'est pas cool. On prend le taxi, on arrive sur Paris, on va à Montparnasse. On passe au Montparnasse, là, gros panneau lumineux, ça y est, c'est pas cool partout. Je pense qu'il va y avoir des images un peu choc. Ça va pas être tourné un peu comme des images, comme plein de gens ont fait, Rockin' Spot, tout ça, où il y avait plein d'images d'archives. Non, ça va pas être comme ça. Beaucoup de gens viennent pour manger. Il n'y a pas quelqu'un qui va se dire si j'ai pas du rap pour pouvoir faire avancer. Il y a plus ce concept de compétition amicale. Parce que c'est ça qui aidait le rap à monter avant, la compétition amicale. Le mec, il a fait un bête d'album. Je sais pas, je suis jaloux, c'est pas combien il a vendu. Non, c'est pas ça. Si, oh putain, il a fait un flow de dingue. Ah, il a fait un texte de ouf. Ah, il a fait une prise de risque. Ah, ben putain, j'ai eu mal, je vais faire mieux que lui. Mais pas pour le descendre, pour pouvoir élever le truc. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est pas vendu, t'as un bon. Tu vends pas, t'es de merde. Aujourd'hui, c'est ça la base du rap. C'est pour ça que l'esprit pop de compétition amicale n'est plus là. C'est dans ce sens-là que je parle. Maintenant, le rap, si on parle de l'évolution, il est là plus que jamais. Il y a 20 ans, on n'avait pas toutes les machines qu'on avait aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as quelle relation avec les anciens du Saiyan? Bon, en général, bien. Après, il y en a 2 ou 3 avec qui je peux plus parler, avec qui on s'entend pas. Mais ce qui prouve que t'as ta réponse à ta question, dans le sens où j'ai fait une tournée il y a pas longtemps avec Disney sur Samuel en Amérique latine, donc je m'entends toujours avec eux. Donc, ouais, je suis plus ou moins bien. J'ai pas trop bien. Vous êtes suffisamment dans le même délire artistique pour refaire du son ensemble avec certains, je veux dire. Oui, Bislo et sur Samuel, ouais, c'est possible qu'on fasse des choses plus tard. On a peut-être un truc en préparation, donc on va pas trop en parler tout de suite parce que c'est pas sûr. Mais il y a peut-être un truc en préparation qui est en train de se faire au niveau de l'audio, ouais. Et voilà, puis peut-être un autre du groupe, on sait pas encore, on va voir. Mais ouais, c'est possible qu'il y ait des trucs qui vont se refaire. On aime le rap, on aime la musique, on est tous encore actifs. Donc pourquoi on va se mettre les barrières, hein. C'est dommage parce que vraiment, je te dis, tu vas en Suisse, enfin tu demandes à peu près tous les jeunes de mon âge, tu vas leur dire la France c'est quoi pour toi, ils vont dire le vin, la bouffe et le rap. Ouais, c'est ça qui est, pour moi la vérité française c'est pas du caf, je sais pas quoi, pour moi c'est le rap français, quoi. C'est vrai. Vous vous rendez pas compte, mais c'est, vous prenez, enfin dans les pays francophones, et je suis sûr que c'est la même chose au Canada aussi. Ouais. Moi je te dis, le rap ça fait partie, ça devrait être. Ici le rap. Les textes de rap devraient être étudiés à l'école, tu vois. Ici le rap on le vit pas. On le subit. Ouais. On le vit ça pas. Aussi, ouais. On le vit pas. C'est-à-dire que les gens, tiens, il y a du rap, c'est bien, tiens, ça passe partout, il faut faire ça pour être à la page. Ouais. Non, ils ne le vivent pas, ils ne le kiffent pas vraiment. La plupart des artistes, ils ne le kiffent pas vraiment. Et eux, ils l'ont, eux. Le concept de le blues, le jazz, toutes ces musiques-là, la musique, elle vient de là. Le rap, il vient des ghettos américains. Je parle pas du côté politique. Hein. Il y a un côté politique, pourquoi, mais je parle pas du côté politique. Ouais, je parle juste de son art en lui-même. Ça vient des vieux ghettos américains pour se dire. Le rap c'est dur, il y a tout ce qui est négatif, on va le prendre, on va le mettre en positif. Tu vois, donc il y a eu tout ce côté, cette démarche de... Tu sais, aux États-Unis, le rap c'était l'hymne de la rue. Le côté graphique, c'était le côté graffiti. Ouais. Le côté pour le faire véhiculer, c'était le DJing. Tu vois, ouais. En France, il y en a eu cette culture au début, parce qu'avant n'importe quel rappeur, il savait danser, il savait graffer. Get NTM, ça veut dire à Coolchen de faire une coupole, il va te la faire. Ouais, non, mais je sais. Tu comprends, tu veux dire, va prendre un petit graphe, il va te le faire. Ouais. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, un petit jeune, il va faire du rap, tu vas dire prends une bombe, il va dire attends, je suis pas un zoulou. Un soir d'été perdu dans les 90s, devant la télé, la bouche pleine de Smarties. Club Dorothée, DVZ pour me mettre à l'aise. Comme Sangoku et Vegeta, je rêvais d'être bien balèze. Toujours l'esprit hanté par cette foutue princesse à sauver. Impossible de bouger, le cul vide s'est posé sur le canapé. Sert de Blair Witch à phénomène, idéal féminin. Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut remettre à demain?